Alors, 6 et 10. Dans 25 minutes, celui que vous voulez. Après 3 semaines, c'est pas un mois, mais quoi. Les temps sont tranquilles suffisamment pour venir la pisto à ce côté-là. L'hiver est rentré, l'hiver rentre bien. Dès le frais. Parce que si il faut gagner ta vielle, il a marée. Marée pour. Marée basse, on fait passer là. 5 heures. Je vous dis, on peut la pêche juste avec pas de. La part avec qui on pas habité la pêche, pas de nouveau la part. On va envie de tester. On va commencer avec un macarty glue. Ah, première touche. Intéressant. Ah, et aïe là, premier. Ok, c'est un tasseur avec ça. Non, même pas tasseur, un petit carang. Commencement même, maman. Un petit carang. Un petit carang, quoi, et tout. Un petit dépôt enfant, quoi. Convenant, ça va la pas ma corde là, c'est qu'ils sont extrêmement fragiles. Souvent, je qui n'a pas fait assez. N pour N. Gagne N poisson avec N lapin après bien changer. Donc c'est dommage qu'il n'est pas plus solide et résistant que ça. Bon, à nous essayer. À nouveau. Pas arrêter l'activité. Me donne beaucoup de poisson et sauter. Un pépin et tout. Ah. C'est une vieille ça. Sans reconnaître plus. C'est une vieille. Ah non. Petit azor. C'est un petit azor. Ah, une activité, ouais. Alors, peine à divan. On fait un bien petit divan. Donc, c'est un plaisir de cette ultra light comme ça. Encore, c'est un petit giga de 2 grammes. C'est bien loin. Il y a beaucoup d'action dans les lots. On mettait un poisson de sauter les lots. Avec sa coulée, puis on est tranquille. Tranquille donc, on a un petit tasseur. Aïe, petit tasseur, petit tasseur. Comment ça va être du monde ça? Petit tasseur encore. Pas intéressé moi ça. Intéressé ça. Petit azor. Ah, il coupe moi la ligne. C'est une gamme meilleure dans l'exode ça. Bien drôle. Bon, vous avez un deal. Bon, voilà. Comme prévu, mon
si a tout bien vie aujourd'hui après un petit carême, premier poisson aujourd'hui. Par contre, c'est dans les étuviers. Oh, c'est joli ça. On en a un petit gars de ciel. Ça me rend aussi un petit gars de ciel. Ça me rend certainement un petit gars de ciel.